Voilà, mesdames et messieurs, chers amis de À ciel ouvert, je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence du cycle de printemps qui porte un titre très, très intéressant, dont je parlerai tout à l'heure, avec un spécialiste que vous connaissez déjà, qui a participé à la table ronde du mois d'octobre dernier et qui nous a déjà légèrement introduit à la physique quantique que nous allons approfondir ce soir en relation avec la physique classique. Mais avant de présenter le professeur Gisin, je précise encore une chose importante, c'est que vous pourrez poser des questions, les personnes à distance pourrez poser des questions, mais en allant sur le site de À ciel ouvert et non pas sur Media Server. Mais je vous préciserai cela parce qu'il y a aussi un code à faire, un code d'accès pour poser vos questions. Quant à la salle, ce sera beaucoup plus simple, vous pourrez poser vos questions en direct après la conférence. Voilà. Donc, cette conférence a donc lieu dans le cycle À ciel ouvert, programme qui nous est offert par la Fondation Yves et Inès Oltramar. Et nous nous en réjouissons à chaque fois en nous disant que nous pouvons explorer tous les mystères de l'univers, de l'impensablement grand à l'impensablement petit. Et nous sommes aujourd'hui dans cette dimension, pour nous, novices en la matière, enfin je parle pour moi et pour ceux qui sont comme moi, de l'impensablement petit qui est la réalité vraiment micro-micro. Et nous avons donc la joie et le privilège de pouvoir écouter le professeur Nicolas Gisin, professeur tout fraîchement émérite de l'Université de Genève. Certains et certaines ont peut-être entendu la leçon de départ où il était question des trois erreurs d'Einstein, et vous remarquez que nous n'en avons plus que deux. Donc nous serons très curieux de savoir quelle est cette leçon qui est perdue en cours de route ou qui est peut-être élucidée. Mais je continue en présentant le professeur Gisin, qui est originaire de Genève, qui a fait son doctorat en physique, mais également avec des compétences en mathématiques, qui a rédigé une thèse primée d'ailleurs à l'Université de Genève sur les quantas et la physique statistique, qui est ensuite parti aux États-Unis où il a travaillé dans le traitement de l'image et dans les télécommunications et ses enjeux, qui l'ont mené à nouveau en 1988 à l'Université de Genève en physique appliquée sur la chaire de système optique. Et donc la chaire de système optique, d'après ce que j'ai compris dans la présentation, aller dans et présenter deux directions, les capteurs optiques et l'optique quantique. Et donc des domaines très très novateurs. Et donc il a réalisé quelque chose qui m'a fascinée, lectrice de science-fiction, la téléportation quantique. Enfin, c'est le titre qui est donné à ce qu'il a réalisé, l'expérience sur les photons qui ont, comme on le sait maintenant dans la physique quantique, peuvent avoir le même mouvement, même s'ils sont totalement éloignés dans l'espace. Et donc, cette téléportation quantique et toute la réflexion qui est liée à ça lui a valu de nombreux prix. Donc, je ne les énumère pas, ils sont trop nombreux, mais vous trouverez tout cela en ligne. Et ces travaux ont été vraiment novateurs aussi dans le domaine de ce qu'on appelle la cryptographie, que nous avons donc sur nos données médicales, nos données financières, et qui sont donc les technologies qui étaient à l'époque des technologies du futur et qui le restent puisqu'elles continuent à être développées. Et donc, ce qui est assez remarquable pour ma génération, c'est ce bouleversement de la physique vers la physique quantique, ou du moins pour l'apprentissage de ce que nous pouvons comprendre de la physique quantique. Et si vous êtes comme moi et que vous êtes vraiment novice mais intéressé en la matière, je vous recommande l'ouvrage que j'ai seulement découvert aujourd'hui en ligne de 2012 qui porte ce magnifique titre « L'impensable hasard, non-localité, téléportation et autres merveilles quantiques ». Et le professeur Gisin a d'autres merveilles dans son sac, si je puis dire, puisqu'un autre ouvrage de 2017 en co-direction avec des collègues s'appelle « Heures et malheurs de la physique quantique ». Donc là aussi, titre alléchant et certainement accessible
du moins en partie pour nous autres. Enfin, je parle pour les gens comme moi, je le répète. Donc, nous venons à la conférence de ce soir avec ce beau titre, intéressant, les trois erreurs d'Einstein devenues les deux, et la réponse à Einstein, Dieu finalement joue au dé. Donc, grand merci, professeur Gisin, et nous sommes tout ouïes. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci pour l'introduction, merci d'être là ou d'être en ligne. Et voilà, donc les deux erreurs d'Einstein, effectivement, dans cette fameuse leçon d'adieu avant Noël, il y en avait trois d'erreurs, mais la troisième erreur était plutôt un message à notre recteur qui était présent, et donc ce n'était pas vraiment une erreur, disons, comparable aux deux dont je vais vous parler. D'abord, peut-être un mot, voilà, on parle d'erreur d'Einstein. Einstein, il n'y a aucun doute, c'est un génie que tout le monde connaît. Et puis, alors, qui suis-je pour pouvoir commencer à parler des erreurs d'Einstein? Alors, lorsqu'on parle là, entre scientifiques, dire bah, « non, là, je ne suis pas d'accord avec toi », c'est quelque chose de totalement banal. C'est comme ça qu'on discute entre scientifiques. Et voilà, alors Einstein, il n'est pas là, mais s'il était là, ben, je lui dirais « non, Albert, là, je ne suis pas d'accord ». Et on aurait un débat. Et c'est dans cet esprit-là que je parle des erreurs d'Einstein. Donc pour moi, c'est vraiment plutôt un hommage de mentionner Einstein, le génie de la mécanique. Vous allez comprendre dans un moment pourquoi je parle de génie de la mécanique. Et puis c'est aussi un hommage à la science. C'est comme ça que la science progresse avec ses discussions, ses remises en cause, ses « Albert, je ne suis pas d'accord avec toi ». Et voilà, on va aussi bien comprendre que la science n'est pas à confondre avec certitude. Et puis une autre raison aussi pour parler de ces erreurs d'Einstein, c'est qu'Einstein, ce n'est pas seulement une personne, mais c'est vraiment le représentant de la physique et même de la science de façon générale. Et cette physique et ces sciences nous influencent énormément, influencent même des fois inconsciemment la vision que nous avons du monde. Et donc, c'est important aussi, des fois, de remettre en question cette vision et de bien comprendre qu'est-ce qui est véritablement dû à des vérités scientifiques, à des faits, disons. Et puis ensuite, il y a beaucoup d'interprétations. Et certaines interprétations, on va le voir, dépassent de très loin les faits scientifiques. Alors, la science. On va commencer par remonter dans le temps, la science moderne qui a commencé avec Galilée, Newton, en particulier Newton, et tout le monde ici a entendu parler de la théorie de la gravitation universelle de Newton, qui explique pourquoi, c'est là que j'ai pas mon laser, mais est-ce qu'on voit quelque chose avec ça? Pas grand-chose. Mais enfin, en bas à gauche, vous voyez Newton et la fameuse pomme qui tombe. On voit aussi que la petite fille à droite et le kangourou sont tous les deux comme scotchés sur la Terre. Il n'y en a aucun des deux qui tombe de la Terre. Et donc la Lune qui reste aussi en orbite autour de la Terre. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde sait que ces phénomènes sont en fait tous causés par cette fameuse gravitation qui a été décrite par Newton en premier. Donc on voit que les objets ne tombent pas de haut vers le bas, mais qu'ils sont toujours attirés par le centre de la Terre, que ce soit la pomme, le kangourou ou cette lune. Alors lorsqu'on voit ça, on a donc une réponse qui unifie la pomme, le kangourou et la lune, disons, et une réponse scientifique amène toujours aussi des questions. Et une question qu'on doit se poser ici, c'est comment est-ce qu'en fait la lune et la pomme et le kangourou savent dans quelle direction tomber? Ils doivent tomber vers le centre de la Terre, mais comment ils savent où est le centre de la Terre? Comment la pomme peut savoir où est le centre de la Terre? Ou comment la lune peut savoir ça? Voilà, ça c'est des bonnes questions. Et le premier qui s'est posé cette question, ben, c'est tout simplement Newton lui-même. Newton a compris, Newton aussi un génie, égal à Einstein plus ou moins, et il s'est posé cette question, et il a écrit en anglais, que la gravité soit innée, inhérente et essentielle à la matière, de sorte qu'un corps puisse agir sur un autre à distance,
à travers le vide, sans la médiation de quelque chose autre pour transporter l'action et la force de l'un à l'autre, ceci est pour moi, donc pour Newton, une si grande absurdité qu'à mon avis, aucun homme ayant une faculté de réfléchir avec compétence aux problèmes philosophiques ne peut y tomber. Donc Newton, qui est devenu vraiment une figure mondiale grâce à cette théorie de la gravitation universelle, en fait, il nous dit, mais il faut pas y croire à ma théorie. Ma théorie, ok, elle permet de calculer, encore aujourd'hui, on utilise cette théorie pour calculer les trajectoires des fusées et des satellites qu'on envoie à travers l'espace, le système solaire. Mais Newton nous dit, ouais, ça marche très bien, mais ça peut pas être vrai. Comment est-ce que la Lune pourrait savoir où est le centre de la Terre? C'est pas possible, ça. Il y a quelque chose qui joue pas. Et puis effectivement, cette théorie de gravitation universelle de Newton, elle nous dit qu'il y a vraiment une sorte d'action à distance, de non-localité instantanée. Par exemple, si on allait sur la Lune, ce qu'on sait faire, et puis qu'on prend un gros rocher et qu'avec une petite fusée, on déplace ce rocher, déplacer ce rocher aurait un effet immédiat, c'est le mot immédiat qui est important là, sur notre poids sur Terre. C'est-à-dire qu'immédiatement, on serait un peu plus lourd, un peu plus léger, bon, très peu, mais quand même un petit peu. Et puis surtout, cet effet ne serait porté par rien. Il n'y a rien qui, d'après la théorie, va de la Lune à la Terre. C'est simplement l'équation de Newton qui nous dit, ça y est, tout à coup, ça a changé. Et donc, si ça, c'était vrai, et Newton, encore une fois, avait bien compris ça, en fait, ça serait une forme de télépathie. On peut faire quelque chose là, et puis sans que rien n'aille de l'autre côté, il y a un effet. Un effet parfaitement mesurable, comme votre poids. Et donc, ce qu'il faut faire, évidemment, puisqu'il s'agit de science, ben, c'est faire l'expérience. Et donc, on devrait faire l'expérience, et puis si on faisait l'expérience, on aurait d'une part falsifié la théorie de Newton, donc on aurait vu qu'en fait, la théorie de Newton, ça marche très bien, mais elle n'est pas vraiment vraie. Il y a une limite, ça ne marche pas comme ça vraiment. Et puis surtout, on aurait trouvé que la gravitation se propage, non pas instantanément comme ça, mais se propage à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que notre poids sur Terre ne change pas au moment où le rocher est déplacé, mais environ une seconde plus tard, puisqu'il faut à peu près une seconde pour la lumière de se propager depuis la Lune jusqu'à la Terre. Cette expérience, évidemment, à l'époque de Newton, c'était inconcevable, on ne pouvait pas la faire. Et même aujourd'hui, avec toutes nos technologies d'aujourd'hui, c'est toujours une expérience qu'on n'est pas capable de faire. Elle n'a jamais été faite, mais tous les physiciens sont absolument d'accord avec ces deux conclusions. Et donc Newton, encore une fois, il nous dit, mais il faut être fou pour croire en ma théorie de la gravitation universelle. Et là, je trouve que c'est intéressant parce que, en fait, on est plusieurs siècles après Newton, et on continue d'enseigner cette théorie à tous nos collégiens. Je ne sais pas s'il y a des enseignants ici, mais tous les collégiens entendent, apprennent la théorie de la gravitation universelle de Newton, alors qu'on sait, et que même Newton lui-même savait déjà qu'elle ne peut pas être vraiment vraie. Et on l'enseigne à nos collégiens comme si c'était une vérité scientifique absolue. On devrait faire un peu attention. Et en fait, finalement, la question de comment la Lune sait dans quelle direction tomber n'a été répondue que par Einstein, donc des siècles après Newton, et la théorie de la relativité générale d'Einstein. Et en gros, la réponse qu'Einstein apporte, c'est que la Terre, la Lune, tous les corps, le vôtre, le mien, lancent en permanence des petites balles dans toutes les directions. Et ces petites balles ont un nom, les physiciens appellent ça des gravitons, et ces gravitons qui vont dans toutes les directions, en permanence, vous en recevez sans arrêt, vous en émettez sans arrêt, ces gravitons se déplacent à la vitesse de la lumière. Et donc, la théorie de Newton, elle est fausse dans le sens que ce n'est pas instantanément qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a ces gravitons qui transportent l'information jusqu'à vous, et à ce moment-là, vous devenez un peu plus léger ou un peu plus lourd, suivant dans quelle direction le rocher sur la Lune a été déplacé. Voilà, donc voilà, Einstein, il est célèbre en gros pour ça, pour cette théorie de la relativité, qui explique entre autres donc, dans quelle direction on tombe. Mais Einstein, il a fait beaucoup de choses dans sa vie,
Et entre autres, en 1905, c'est une année extraordinaire pour Einstein, où il a aussi, là c'est la partie supérieure là, du slide, il a décrit le mouvement brownien, où on voit qu'on a plein de petits atomes qui sont en principe invisibles, même avec un très bon microscope. Et ces petits atomes, comme des petites billes, mécaniquement vont heurter des billes plus grosses, les billes en bleu ici, qui sont des grosses molécules qui, elles, peuvent être vues sous le microscope. Et donc, comme on ne voit que les billes bleues, on voit ces billes qui bougent un peu de façon erratique. On appelle ça le mouvement brownien. Et en faisant la statistique de ce mouvement erratique, Einstein a donné corps à l'hypothèse atomique. Donc, il a donné corps à l'idée qu'il y a des atomes, en fait, que tout ça, c'est l'air aussi, nos corps, tout ça est constitué, fabriqué, si vous voulez, d'atomes. Et là où je veux insister là-dessus, c'est que là, on voit une explication extrêmement mécanique. C'est des petites billes qui se heurtent les unes les autres. C'est vraiment de la mécanique. Et puis aussi, en 1905, Einstein a expliqué l'effet photoélectrique avec de nouveau des billes qui seraient des billes de lumière, qu'on appelle des photons, qui tapent sur cette partie verte, là, une surface métallique, et qui mécaniquement, ça heurte ce qu'il y a dans un métal, entre autres des électrons, et ces électrons sont expulsés, et donc ça forme un courant électrique, et c'est l'effet photoélectrique. De nouveau, une explication totalement mécanique. Et donc Einstein, pour lui, ça ne bouge pas ici sur mon ordinateur, ça bouge, c'est beaucoup plus joli. Mais bon, ici, ça ne bouge pas. Donc, il faut vous imaginer que les petites billes bleues bougent dans tous les sens et heurtent la bille rouge au milieu et que ça donne une illustration de ce mouvement brownien. Voilà, donc pour Einstein, le monde est constitué de ces petites boules de billard, toutes petites évidemment, qui s'entrechoquent mécaniquement. Et puis tout ça, c'est parfaitement réglé, suivant si elle tape comme ci, ben, ça a tel effet, si ça tape comme ça, ça a un effet un petit peu différent. Mais tout ça est parfaitement réglé comme dans une horloge, comme dans une horloge parfaite. Tout est déterminé. Et donc, pour Einstein, l'univers est une énorme horloge. Et chaque action n'influence que son environnement immédiat. Il faut se toucher pour s'influencer. Voilà, et ça c'était l'image d'Einstein, mais aussi l'image de la physique de l'époque d'Einstein, du début du XXe siècle. C'était ça l'image qui dominait et qui influence encore, on va y venir, énormément notre conception du monde. Et quand je dis notre, je pense évidemment aux physiciens, mais je crois que ça déborde vraiment dans toute la société. C'est-à-dire que tous s'influencent comme ça, en se touchant, en se poussant les uns les autres. Et donc on en arrive à cette idée que la science, en gros, c'est le déterminisme. On parle toujours de déterminisme scientifique. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Soit la petite bille, deux petites billes, soit elles se tapent, soit elles passent l'une à côté de l'autre, puis il ne se passe rien du tout. Mais il n'y a pas autre chose qui peut se passer. Tout est déterminé, et surtout tout est déterminé dans cette vision d'Einstein de toute éternité. Ah oui, quelque chose d'important. Ici, on est à Genève. Donc Einstein, encore une fois, génie absolu, il a reçu un nombre de prix incroyable, entre autres le prix Nobel. D'ailleurs, dans une semaine et deux jours, à Berne, il y aura un symposium sur les 100 ans du prix Nobel d'Einstein. Je vais également parler pendant la même conférence. Mais évidemment, quelqu'un comme Einstein, avec le nombre de prix qu'il a reçus, il y a forcément un prix qui a été le premier. Et le premier prix que Einstein a reçu, il l'a reçu de l'Université de Genève, probablement dans ce bâtiment. Et c'était donc le docteur honoris causa en 1909. On arrive à lire là. Et voilà, au moins, en fait, Genève et Einstein ont eu beaucoup plus de relations que ce qu'on sait de façon générale. Ok, et donc là, vous voyez déjà venir la première affirmation d'Einstein que je vais remettre en doute aujourd'hui, c'est « Dieu ne joue pas au dé ». Hein, on le voit sur cette image avec son ami Niels Bohr, célèbre physicien danois, et Einstein qui lui dit eh « Non, God doesn't play dice. Dieu ne joue pas au dé. » Et puis il a été beaucoup plus loin. Einstein était très très quand même
dur sur ses positions. Là, sur l'image de droite, on le voit avec, à droite, le célèbre philosophe Bergson, qui était le grand pont de la philosophie à l'époque. Et ils se sont rencontrés à Paris en 1922. Et Einstein a dévasté Bergson. Il était beaucoup plus sûr de lui, apparemment. Et l'a dévasté en lui disant « Non, mais there is no such thing as the philosopher's time. » Le temps des philosophes ou des psychologues, ça n'existe pas. Bon, ça, c'est une sacrée affirmation. Et il a été encore un peu plus loin, le père Einstein. Au moment du décès de son ami Bessot, qui vivait d'ailleurs à Genève, Einstein a écrit une lettre de condoléances à sa femme, à sa veuve. Il est parti, Bessot est parti de ce monde un peu avant moi. Cela ne signifie rien. Pour des gens comme nous qui croient en la physique, la distinction entre le passé, le présent et le futur n'est autre qu'une illusion obstinément persistante. Voilà, ben, père Einstein, il y croyait vraiment, hein. Donc le déterminisme selon Einstein, et puis là je dis Einstein, mais c'est vrai que c'est beaucoup de la science, en tout cas à l'époque d'Einstein, et même encore aujourd'hui, énormément de cette science va vous parler de cette forme de déterminisme, je parle de déterminisme mécanique, c'est qu'en fait Dieu a très soigneusement choisi ou déterminé les conditions initiales, à savoir comment les choses étaient au moment du Big Bang, au moment de la création, peut-être certains diront. Puis tout, absolument tout, s'est déroulé comme dans une horloge, sans surprise, sans aucune création. Dieu en particulier n'est plus jamais intervenu. Il n'y avait plus rien à faire, tout était déjà décidé. Et la même chose, évidemment, aucun être humain n'a pu intervenir. Il n'y avait plus rien à faire, tout était déjà fait. Alors ça, c'est une vision, comme je l'ai déjà dit, qui est encore défendue par certains collègues, en fait par beaucoup de mes collègues. Et puis là, je voudrais vous parler d'une petite vidéo YouTube que Sabine Offenfelder a produite. Sabine est une physicienne que je connais, une très bonne physicienne d'ailleurs, qui à peu près toutes les deux semaines produit une nouvelle vidéo pour YouTube. Et toutes ces vidéos sont en général vraiment excellentes. Bon, mais là, il y en a une que je vais, analyser, disons. Donc, Sabine commence par nous dire, vous êtes ici, c'est en anglais, mais j'ai traduit, vous êtes ici pour entendre ce que la science a à vous dire. Ça, c'est intéressant. Les conditions initiales déterminent tous les événements, y compris les systèmes chaotiques. Ah bon ? Et donc, toute l'histoire du monde était déjà entièrement déterminée lors du Big Bang. Elle continue, nous sommes juste là pour regarder la pièce se jouer, comme au cinéma. Et elle continue, nous savons que le futur est déterminé par le présent. Et elle conclut même, si vous pensez différemment, vous déniez l'évidence scientifique. Alors je pense que ça c'est vraiment assez intéressant parce que cette affirmation, par exemple, nous savons, ça, c'est plus de la science. Ça, c'est du scientisme. C'est élever la science au niveau d'une religion. Il faut y croire. Et puis, juste pour montrer que Sabine n'est pas la seule, qu'il y a beaucoup de physiciens et de philosophes qui croient en ce déterminisme mécanique. Vous avez là deux livres, justement, The Free Will Delusion, The Illusion of Time. Donc, tous des gens qui vous disent péremptoirement le libre arbitre, ça n'existe pas, ce n'est qu'une illusion. Et d'ailleurs, même le temps, ça n'existe pas, ça aussi, c'est une illusion. Pourtant, déjà là, on peut assez vite comprendre qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre, parce que au cinéma, effectivement, tout est dans la bobine, hein, dans cette bobine. Il n'y a pas de doute, c'est déjà là-dedans, les caractères, enfin, la fin du film est déjà là, même lorsqu'on ne regarde que le début du film. Et c'est vrai que si on regarde un film, mettons un mauvais film, ben le temps il passe lentement. Mais on le sent passer quand même.
Puis au contraire, si le film est bon, on est excité, le temps passe beaucoup plus vite. Mais on le sent aussi. Donc, il y en a du temps, mais il est où le temps? Il n'est pas dans la bobine. Le temps, il est dans la conscience des spectateurs. Mais si maintenant vous prenez cette image pour l'ensemble de l'univers, il n'y a pas un spectateur à l'extérieur qui ressent le temps passer. Les spectateurs, ils sont dans la bobine. C'est en fait les acteurs qui sont dans la bobine. Et donc, il n'y a plus personne pour ressentir le temps. Oh, on ressent le temps quand même. Donc on se dit, non mais là, il y a quelque chose qui ne joue pas très bien, ce n'est pas possible. Ça, c'est quelque chose que, voilà, j'étais même jeune étudiant, que ça me perturbait déjà, cette idée que la physique décrit le monde de façon mécanique et donc de façon déterministe. Bon, cela dit, malgré donc, tous les succès d'Einstein et de la science, il y a quand même toujours eu des gens qui ont dit, non mais ça ne joue pas tout à fait, qu'est-ce qui se passe là? Alors, il y a par exemple, ici en bas, je vous mets une référence à un jeune physicien, Flavio Del Santo, qui a écrit un article où il analyse un peu justement cette discussion entre Einstein et, oh, c'est pas beau, mais Bohr, je vois qu'il y a une faute, ça devrait être un R à la fin. Bohr, pas Baum. D'ailleurs, un bel article pour lequel il a reçu un prix de la Société américaine de physique, et dans lequel il dit, mais en fait, ce que Einstein voulait vraiment, ce n'était pas tellement le déterminisme. Ça venait un peu par accident comme conclusion, mais ça le perturbait aussi. Il y a des écrits d'Einstein où on voit qu'il n'était pas entièrement à l'aise avec ça. Par contre, ce qui est important pour Einstein, c'est le réalisme. Ça, on va y revenir. Puis il y a une autre citation ici que j'aime bien, de Elisabeth Anscombe, qui est une philosophe qui travaillait avec Wittgenstein, et qui a écrit « Le succès de l'astronomie de Newton a été, en un sens, un désastre intellectuel. Il a produit une illusion. L'impression que nous avions là un idéal d'explication scientifique, alors qu'en réalité, ce n'est que l'obligeance du système solaire d'avoir eu une histoire aussi paisible qui a produit un tel modèle. » Voilà, alors j'aime beaucoup cette citation, mais il faut bien reconnaître que ça n'a eu à peu près aucune influence sur mes collègues qui continuent à nous parler de déterminisme scientifique. Alors on va revenir un peu à ce déterminisme scientifique, encore une fois, toutes ces petites boules bleues là qui devraient bouger, mais vous pouvez imaginer, elles bougent dans tous les sens, elles se heurtent, mais elles se heurtent de façon hyper compliquée, mais complètement mécanique, tout est déterminé, c'est une horloge, mais très compliquée. Ça reste une horloge. Donc, dans un tel système, qu'on appelle un système chaotique, c'est-à-dire qui est très sensible aux conditions initiales. Si je prends une de ces petites boules bleues, puis je la déplace un millimètre à gauche ou à droite, un tout petit peu, ben, ça va avoir une influence énorme au cours du temps. Ça va complètement changer le mouvement de la boule rouge, par exemple, qui est au milieu ici. Donc, c'est très sensible à ces conditions initiales. Et donc, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que ces conditions initiales. Comment est-ce que les physiciens décrivent ça? Alors, les physiciens, ils décrivent les conditions initiales alors, en mettant des nombres là-dessus, sur la position, sur la vitesse. Puis ces nombres, c'est ce qu'on appelle des nombres réels. C'est un nombre avec une virgule. Vous avez certainement tous déjà vu des nombres avec des virgules, même à la boulangerie. Sauf que là, dans un nombre réel, ça ne s'arrête pas avec deux décimales. Il y a un nombre de décimales qui continue. Alors, on va prendre un exemple beaucoup plus simple que l'histoire avec toutes ces petites boules bleues et rouges. On va prendre un exemple où on va simuler, si vous voulez, la météo, juste avec un nombre entre 0 et 1. On va dire, ça c'est la probabilité de la pluie, donc 1 c'est qu'il pleut, 0 c'est qu'il fait soleil, et puis 1/2 c'est un peu comme aujourd'hui, où il fait, enfin, je pense aujourd'hui c'est plutôt 3 quarts, plutôt 3 quarts de pluie et 1 quart de soleil. Mais donc, on voit ça. Et puis maintenant, il y a une dynamique, qui est d'ailleurs très bien connue et étudiée des physiciens et des matheux, qui consiste, si vous voulez, on étire cette bande élastique verte, on la fait deux fois plus longue, et après on la replie. On appelle ça la transformation du boulanger. C'est comme un boulanger qui tire sur sa pâte et puis qui ensuite la replie. Et cette dynamique est aussi chaotique, elle est connue, et il est beaucoup plus simple, évidemment, qu'un vrai système météo. Donc, on peut l'analyser beaucoup mieux. Par exemple, ici, si on veut représenter ce nombre entre 0 et 1,
Ben, ça commence par 0, virgule, et ensuite, il y a une chaîne de bits. Alors nous, les physiciens, on va plutôt travailler avec des bits, des 0 et des 1, mais si vous préférez penser avec des décimales, donc 0 jusqu'à 9, c'est égal ici. Et cette transformation là-haut, son effet sur cette représentation mathématique du nombre, de la probabilité de pluie, c'est simplement de déplacer vers la gauche tous ces bits. Donc le deuxième devient le premier, le troisième devient le deuxième, le quatrième devient le troisième, etc. Ils se décalent tous d'un cran. Et donc là, on voit déjà qu'un bit qui est très loin à droite ici, ben, qui n'a aucune importance pour aujourd'hui, ben, quand il se sera déplacé vers la gauche, il y a un moment, il va devenir très important. Et donc si je bouge ce tout petit, cette petite décimale qui n'a aujourd'hui aucune importance, ben, demain ou dans une semaine, dans une année, elle va devenir très importante. Donc c'est ça la sensibilité ou l'hypersensibilité aux conditions initiales. Et donc effectivement, savoir si le x, la variable, est dans la moitié gauche ou droite, est-ce qu'il va faire plutôt beau ou pas beau, après n pas, par exemple, ça se passe, mettons qu'un pas c'est une heure, donc après n heures, ben, ça va dépendre du n-ième bit de la condition initiale. Donc il faut aller regarder les tout petits chiffres pour savoir quel temps il va faire dans une semaine, dans un mois, dans une année. C'est aussi pour ça que c'est impossible à vraiment prédire le temps à très longue échéance. Mais on peut se poser aussi maintenant la question, pas du point de vue pratique, pas de l'épistémologie, mais vraiment de l'ontologie. Est-ce que ce millième bit, il existe vraiment, physiquement ? Donc la question, encore une fois, ce n'est pas de savoir est-ce qu'on va pouvoir le mesurer, c'est sûr qu'on n'arrive pas à le mesurer, mais est-ce que ce millième bit, il correspond à quelque chose de physique ? Est-ce qu'il est réel, dans le sens qu'il correspond à quelque chose de réel dans notre monde réel, dans notre monde physique ? Donc on va regarder un peu un nombre réel typique, un de ces nombres à virgule. Alors, ces nombres à virgule, ben, vous en connaissez beaucoup. Vous connaissez ben, déjà tous les nombres, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, mais aussi racine de 2, ou bien pi, le rapport entre la circonférence et le diamètre d'un cercle, ou bien aussi les nombres à fraction, 77 divisé par 125, etc. Ça, c'est les nombres que tout le monde connaît, presque tout le monde. Mais en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, et ça, c'est une partie importante, et là, on fait presque des maths, mais enfin, ça, c'est des nombres qui sont exceptionnels. Pourquoi ils sont exceptionnels ? Ils sont exceptionnels parce qu'ils ont un nom. Ben, racine de 2, pi, 77 sur 125. Je peux leur donner un nom. De manière plus générale, je peux définir un algorithme pour les définir. Or, la plupart des nombres réels, quasiment tous les nombres réels, n'ont pas de nom. Ils n'ont pas de nom parce que c'est impossible de les nommer. Parce que les décimales d'un nombre réel typique n'ont aucune structure. Puis ils sont donc complètement aléatoires. Et on ne peut pas nommer une chaîne de bits infinie, on ne peut pas lui donner un nom. S'il y avait une structure, on pourrait donner le nom de la structure, mais s'il n'y a aucune structure, on ne peut même pas les nommer. Donc les nombres qu'on connaît, qui ont un nom, qui s'appellent donc les nombres dénombrables, en fait, on pourrait les mettre dans un énorme livre, le premier, le deuxième, le troisième. On peut vraiment les ordonner, on peut les compter. Il y en a un nombre infini, mais un nombre dénombrable, puisqu'on peut les dénombrer. Voilà. Un nombre discret, on dit aussi des fois. Mais les nombres réels, ceux qu'on utilise pour ces conditions initiales de l'horloge universelle d'Einstein, en fait, ceux-là, on ne peut pas les nommer. Et en fait, la meilleure manière de penser ces nombres, c'est vraiment comme ce qui sort d'un générateur aléatoire. Ils sont véritablement aléatoires. Voilà, je vous ai dessiné un petit générateur aléatoire quantique, mais peu importe. Mais c'est ça qui produit vraiment ces nombres réels. Et pour illustrer ça, Émile Borel, un célèbre mathématicien, a remarqué et a fait remarquer à tout le monde qu'un nombre réel, un seul nombre réel, puisqu'il y a une quantité infinie d'informations, pourrait en fait encoder les réponses à toutes les questions qu'on pourrait formuler dans n'importe quel langage humain. Donc ça, c'est une quantité inconcevable, en fait infinie, d'informations dans un seul nombre réel. Et il y en a une infinité continue.
Et donc, comme Grégory Chatin, mentionné de ce côté-là en bas, qui est un des grands pontes de la théorie de la complexité, disait vraiment la seule façon de penser correctement un nombre réel typique est comme la suite infinie de décimales produites par un vrai générateur aléatoire. On peut aussi argumenter encore un petit coup plus. Imaginez un volume fini, un petit centimètre cube, un petit volume fini. Et puis l'hypothèse ici de se dire, si j'ai un volume fini, dans ce volume-là, il ne peut pas y avoir plus qu'une quantité finie d'informations. Ça paraît très naturel, c'est très intuitif, mais c'est une hypothèse. Et donc, si j'ai maintenant mon petit cube, centimètre cube, et puis j'ai une petite bille là-dedans, une de ces petites billes bleues comme j'avais avant, ben, la position et la vitesse aussi de cette petite bille bleue, ben, elle ne peut contenir qu'une quantité finie d'informations. Donc en particulier, elle ne peut pas être décrite par un nombre réel, puisqu'un nombre réel, c'est une quantité infinie d'informations. Mais à ce moment-là, si les conditions initiales n'ont plus une quantité, ne sont plus vraiment décrites par un nombre réel, tout cet argument sur le déterminisme scientifique ou la grande horloge, ça ne joue plus. Et puis effectivement, les nombres réels ne sont pas réellement réels. S'il y a une chose à essayer de vous rappeler de cette conférence, c'est justement cette phrase-là. Les nombres réels ne sont pas réellement réels. En fait, les nombres que les mathématiciens appellent réels sont physiquement aléatoires. C'est plein d'aléatoires dans toutes ces décimales. Et c'est certainement pas parce que Descartes a appelé réels les soi-disant nombres réels qu'ils sont réellement réels. Et en fait, c'est ces nombres aléatoires qui devraient être à la base du déterminisme scientifique. Ça ne joue pas, n'est-ce pas ? Alors maintenant, je vais vous montrer un nombre réel typique, comme je me l'imagine. Voilà, ça commence par zéro, peu importe, ce qui est une virgule, puis ensuite il y a les décimales qui arrivent les unes après les autres, et puis voilà, on peut voir ça, on peut regarder ça maintenant un certain temps. Je vous assure, il n'y a aucune structure, c'est vraiment au hasard, j'ai d'ailleurs utilisé un générateur aléatoire pour produire ça. Et puis si on attend assez longtemps, bien évidemment on arrivera là, en bas du slide, mais une fois qu'on est là en bas, le nombre il ne s'arrête pas, il continue, il va traverser toute la Terre, puis une fois qu'il a traversé la Terre, il va continuer, puis à un moment il va sortir du système solaire, mais il va continuer, ça continue. Alors ça c'est en tout cas mon intuition, et l'intuition je pense de beaucoup de physiciens, d'un nombre réel. Mais les matheux, ils vont me dire, non, c'est pas comme ça. Les matheux, ils vont me dire, c'est comme ça. Attention, alors là, concentrez-vous bien, regardez, et attention, chla ! D'un coup, une infinité d'informations en zéro temps. Voilà. Alors pour les matheux, c'est génial, parce qu'on peut vraiment faire des jeux avec ça, qui sont assez fascinants, qui sont intellectuellement totalement fascinants. Mais ce n'est pas de la physique, ce n'est pas la réalité. On ne peut pas en zéro temps donner une quantité infinie d'informations. Ça ne peut pas jouer ce truc-là, n'est-ce pas ? Et donc on voit que les maths commencent à jouer un rôle très important dans cette discussion de déterminisme ou pas déterminisme, et donc aussi libre arbitre, ce qu'on a discuté. Et effectivement, on parle des mathématiques. Vous avez déjà remarqué qu'on parle en général des mathématiques au pluriel. Et ça veut effectivement dire qu'il existe plusieurs mathématiques. Là, je vais en mentionner juste deux. À gauche, vous avez, c'est illustré par Hilbert, qui est un mathématicien hyper célèbre. En tout cas, tous les mathématiciens connaissent, tous les physiciens connaissent aussi. Et puis lui, donc, ça va être le représentant des mathématiques classiques, les mathématiques qu'on apprend au collège et même à l'université. Et puis à droite, vous avez un mathématicien également génial, un peu caractériel, et ils se sont beaucoup engueulés entre les deux, là, entre Brauer et Hilbert. Et donc Brauer, lui, il a inventé une autre mathématique. On va regarder ça. Donc pour Hilbert, donc les mathématiques classiques, chaque nombre réel est une entité individuelle totalement accomplie. Toutes les décimales sont données d'un coup, c'est fini. Et donc le continuum
est une collection de points individuels. Vous avez en fait pour chacun de ces points, et il y en a une infinité, chaque point c'est une infinité d'informations, toutes données d'un coup. Et les nombres réels, d'après ces mathématiques classiques, existent en dehors de l'espace-temps, en particulier en dehors du temps, dans une sorte de monde platonique. Alors si vous utilisez ces mathématiques classiques pour parler physique ou parler science, vous utilisez un langage totalement atemporel. Il n'est donc pas trop surprenant qu'avec un langage totalement atemporel, on ne puisse pas parler du temps qui passe. Et effectivement, on n'arrive pas à parler de ce temps qui passe. On se dit, mais non, tout est décidé d'un coup au Big Bang, au moment du départ, de la création, de ce que vous voulez. Mais c'est tout décidé d'un coup au départ. Maintenant, si on regarde, Brouwer, lui, c'est les mathématiques intuitionnistes. C'est une autre forme de mathématiques avec lesquelles on peut tout à fait calculer, qui est tout aussi puissante pour faire des calculs que les mathématiques classiques. Mais ici, nous dit Brouwer, les nombres réels sont des processus qui se développent au cours du temps. Et les décimales ne sont pas toutes données d'un coup. C'est un peu comme mon nombre réel que je vous ai illustré, où les décimales viennent l'une après l'autre. Donc on voit qu'il y a du temps qui passe, puisqu'elles viennent l'une après l'autre. Et donc le continuum est une collection visqueuse, je ne vais pas expliquer le visqueuse, mais de processus. Ce n'est pas tout donné d'un coup, ça se développe au cours du temps. Et donc ici, dans ces mathématiques intuitionnistes, mathématiques, le temps est essentiel. À chaque instant, il n'y a qu'une quantité finie d'informations, mais cette quantité finie grandit au cours du temps. Et donc, finalement, on a un peu un dilemme. Alors, quel langage mathématique je vais utiliser ? Les maths classiques ou les maths intuitionnistes ? On peut aussi le dire comme ça. Au lieu d'un dieu qui joue au dé, quand une potentialité s'actualise, on peut imaginer que Dieu a lancé tous les dés au Big Bang et a codé tous les résultats dans les conditions initiales de l'univers. Donc toute cette infinité d'informations, ben, Dieu s'est arrangé au début, il a joué au dé, lui il peut jouer je pense une quantité infinie de fois au dé, et il code tout ça dans toutes les décimales des conditions initiales. Ça c'est une possibilité. Mais on voit bien qu'on a un choix ici à faire maintenant, on est face à un choix. Soit le présent révèle rétroactivement des conditions initiales d'un passé lointain, soit nous comprenons le présent comme résultant d'une réalité encore inachevée et le futur est ouvert. Donc en fin de compte, c'est le langage mathématique utilisé par les physiciens qui pousse les physiciens à parler de chaos déterministe, s'ils utilisent les mathématiques classiques. Évidemment, ils ont le choix. Puis on peut maintenant se dire, bon, alors regardons comment ils font les physiciens, au-delà de dire qu'ils utilisent les mathématiques classiques, parce que c'est ce qu'ils ont appris à l'école. Et puis on va regarder comment les vrais physiciens, les physiciens appliqués, j'étais professeur de physique appliquée, comment ils font. Et puis un des domaines, il y a évidemment énormément d'exemples, mais un domaine qui est extrêmement actuel de la physique, c'est la physique du climat. On sait que c'est très important aujourd'hui, c'est très important tout court. Et puis là, Tim Palmer a écrit, Tim Palmer c'est le chef, disons, le leader de la physique du climat au Royaume-Uni. Et il a écrit un magnifique papier où il nous explique comment ils font. Alors, ces physiciens du climat, ils ont des gros ordinateurs, des très gros ordinateurs, très puissants, mais même très gros, ils sont finis. Et c'est sûr que dans un ordinateur fini, je n'ai pas pour mettre un nombre réel dedans. Ça ne va pas rentrer, il ne peut rentrer qu'une partie finie. Et donc, comment je vais faire ? Une fois que j'ai mis mes conditions initiales le mieux possible, mais je vais avoir tronqué mon nombre, mes conditions initiales, donc c'est les nombres tronqués qui sont mentionnés là. Ensuite, je vais laisser tourner l'ordinateur qui va simuler le temps qui passe pour regarder quel climat il ferait dans 100 ans en fonction de certaines hypothèses. Mais le climat, c'est un système chaotique. Donc, à un certain moment, il va falloir que ces petites décimales qui initialement n'avaient aucune importance, elles commencent à devenir importantes. Donc, il va falloir que je leur attribue une valeur. Et comment ils font, les vrais physiciens qui travaillent là-dessus ? Ben, ils mettent des restes aléatoires. Donc, ils décident, ce qui vient derrière,
ben ça va être choisi au hasard. C'est exactement l'idée de ces nombres réels où les décimales sont choisies au hasard. Et c'est comme ça que les physiciens du climat, en fait, font toutes ces prédictions. Et on comprend bien, d'ailleurs, quand c'est un physicien qui fait ça, ne va pas pouvoir vous dire exactement ce qui va se passer dans 100 ans, non seulement parce qu'il ne le sait pas, mais parce que, selon ce que je suis en train de vous expliquer, ce n'est même pas déterminé aujourd'hui. Ça va se déterminer au cours du temps. Néanmoins, il y a des tas de prévisions probabilistes qui peuvent être faites et qui sont très claires et qui nous indiquent bien qu'il faut faire attention aux problèmes qu'on a devant nous, enfin, ou qu'on a vraiment près de nous. Mais c'est quand même forcément des prédictions probabilistes. Puis une autre conséquence aussi, si on commence à regarder ces mathématiques plutôt intuitionnistes et si on imagine que le futur est ouvert, c'est que des propositions qui concernent le futur ne peuvent être, peuvent n'être ni vraies ni fausses, mais indéterminées. Et donc la loi du tiers exclu, à savoir que toute proposition est soit vraie, soit fausse, ou quelque chose qu'on apprend au collège, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est vrai en mathématiques classiques, c'est pas vrai en mathématiques intuitionnistes, et c'est certainement pas vrai en physique. Voilà, maintenant j'en arrive un petit peu à faire la transition vers la physique quantique. Donc effectivement, en haut à droite, vous voyez cette idée d'envoyer des photons sur un séparateur de faisceaux, une lame semi-transparente ou un miroir semi-transparent, puis derrière, il y a deux détecteurs, et le photon, il va exciter un détecteur ou l'autre. Il y en a un qu'on va appeler 0, l'autre il va appeler 1, et on va comme ça produire une chaîne de bits aléatoires. Et ça, d'ailleurs, ça, avec cette société idée quantique à Genève, spin-off de mon groupe, de Ludy, on a pu le mettre dans cette petite boîte qu'on voit ici en bas à droite, et on a pu comme ça faire un générateur de nombres aléatoires certifié par l'Office fédéral de la métrologie, donc vous voyez que ça doit forcément être très sérieux. Et puis on a été beaucoup plus loin que ça. Ah oui, donc là, c'est juste illustré comment ça fonctionne, donc vous avez ces photons qui arrivent, et alors avec mon PowerPoint, j'arrive pas. Ici, ça bouge d'ailleurs. Je sais pas pourquoi l'autre bouge pas. Bon, voilà. Et finalement, ils devraient continuer, mais je sais pas faire pour qu'il arrive jusqu'à un des deux détecteurs. Et donc maintenant, ici, on a un exemple qui est un générateur quantique de nombres aléatoires. Et donc là, les physiciens, maintenant, c'est les physiciens quantiques. Donc c'est plus Einstein qui n'y croyait pas. Mais les physiciens quantiques disent, si, ça c'est vraiment aléatoire. C'est plus une question de choisir un langage mathématique classique et puis de croire au déterminisme, ou de choisir un langage mathématique intuitionniste et d'avoir de l'indéterminisme en physique classique. En physique quantique, on n'a plus le choix. C'est comme ça. Là, je vais essayer de vous expliquer pourquoi les physiciens sont convaincus de ce que... les physiciens quantiques, comme moi, sont convaincus de ce qu'ils disent. Et là, on en arrive à la deuxième erreur d'Einstein. Là, de nouveau, avec son ami Bohr, cette fois-ci, il n'y a pas de faute, Bohr, Einstein affirmait « There is no spooky action at a distance », il n'y a pas d'action fantôme à distance. Et cette fois-ci, je vais dire que cette erreur-là, je vais argumenter que c'est de nouveau une erreur, est nettement plus facile à pardonner à Einstein, parce que, en fait, rappelons-nous, Einstein... c'est l'homme qui a répondu à Newton, comme Newton vous disait, mais la théorie de la gravitation universelle, c'est pas possible, on peut pas déplacer quelque chose sur la Lune et que ça ait un effet immédiat sur Terre sans que rien ne transporte l'information. Einstein a donc rendu la physique classique locale. Il est célèbre et il est forcément fier aussi de son œuvre. Et quand même 10 ans après la relativité générale, voici la physique quantique qui revient réintroduire de la non-localité. Et donc Einstein dit, ça c'est pas possible, j'y crois pas. Mais là, cette fois-ci, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de psychologie pour comprendre pourquoi Einstein dit ça. Et puis, une remarque en passant aussi, c'est intéressant de voir que finalement, bon, toutes ces expériences ont été faites, je vous en parlerai d'ici un moment, et la nature a finalement donné raison à Bohr. Donc Colin Bohr, il disait « Mais tais-toi, Albert, c'est comme ça. » Il ne donnait pas des explications très détaillées.
Einstein a beaucoup argumenté. Finalement, il a eu tort, Einstein. Mais ce sont quand même les questions d'Einstein qui ont permis le progrès. En science, c'est beaucoup plus les questions qui permettent le progrès que les affirmations. Et en particulier, le progrès qui a mené aux technologies quantiques, l'ordinateur quantique, la cryptographie quantique, enfin des choses qui me passionnent. Alors, comment est-ce qu'on a fait pour maintenant démontrer cette non-localité ? Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, mais on a réalisé, il y a 25 ans, une expérience dans ces deux villages, le Bernay, un peu au nord de Genève, et Bellevue, plutôt au sud. Et on a envoyé des photons là-bas, et on a fait faire ces mesures avec ces séparateurs de faisceaux, comme je vous ai montré brièvement tout à l'heure, pour voir qu'effectivement, ces photons, à distance, peuvent se corréler, peuvent donner des réponses tout à fait corrélées. Et juste pour illustrer ça, pour vous rappeler qu'il s'agit maintenant de vraies expériences, on n'est plus en train de faire de la théorie ou de la philosophie, c'est des vraies expériences, c'est le résultat expérimental tel qu'on a publié. Et vous voyez, là, c'est V, ça veut dire visibilité, donc en haut à gauche, 96,2%. En théorie, ça devrait être du 100%, mais comme c'est une vraie expérience, c'est un peu bruité. Mais enfin, suffisant pour arriver à la conclusion que de non-localité. Alors, l'idée, si vous voulez, c'est que chez Alice et Bob, donc Alice, mettons à gauche, là, le D de gauche, et Bob, le D de droite, on va leur poser des questions. Et on ne va pas leur poser beaucoup de questions, il n'y en a que deux. Ces questions, on va les appeler 0 et 1. Ça a l'air très simple, il n'y a que deux questions. Chez Bob aussi, il n'y a que deux questions. Puis la règle du jeu, que j'appelle le jeu de Bell, techniquement ça s'appelle les inégalités de Bell, appelons ça un jeu. Donc ce n'est pas Alice qui joue contre Bob, ou Bob contre Alice, ils jouent ensemble, ils doivent ensemble essayer de marquer des points. Et pour marquer des points, il faut qu'ils donnent des réponses, lorsqu'on leur pose une question, et ils gagnent un point chaque fois qu'ils donnent des réponses identiques pour les questions 0-0, 0-1 ou 1-0. Par contre, quand ils reçoivent la question 1-1, c'est-à-dire Alice reçoit la question numéro 1 et Bob aussi reçoit la question numéro 1, dans ce cas-là, ils ne gagnent un point que s'ils donnent des réponses différentes. Alors, peut-être ce soir, vous allez essayer de trouver une stratégie pour gagner à ce jeu de Bell. Essayez, et vous allez vous convaincre, ce n'est pas très compliqué, que c'est impossible de gagner à tous les coups. Bien sûr, on va gagner de temps en temps, parce qu'on peut avoir de la chance. Mais c'est impossible de gagner en fait plus souvent que 3 fois sur 4. C'est juste impossible, sauf si on a des photons intriqués, si on a des photons qui permettent de faire ça, des photons quantiques. Mais si vous êtes une personne classique, une personne qui utilisait la physique classique, vous allez facilement vous convaincre que c'est impossible. Et donc on en revient maintenant, comment est-ce que les physiciens se convainquent de l'existence du hasard quantique ? Donc on a à nouveau notre image ici avec Alice à gauche, Bob à droite, et puis il y a ce X et Y, X chez Alice et Y chez Bob, c'est les questions, là, c'est 0 et 1. Ça revient en pratique à tourner un de ces séparateurs de faisceaux de 45 degrés, ou pas le tourner. Et puis ensuite on a les résultats, les A et les B, ça c'est les résultats de la mesure qu'on effectue. Et puis, on va faire quelques hypothèses. C'est des hypothèses que je vais mettre tout à fait explicitement ici, parce que là, on va essayer d'être sérieux et scientifique, mais c'est à peu près évident. Par exemple, l'espace existe. Ça prend du temps, et on sent, surtout si vous le faites à vélo, d'aller de Bernay à Bellevue, ça ne peut pas se faire instantanément. Ça prend du temps parce qu'il y a une vraie distance entre 10 km. Ça prend du temps. Ça, c'est quand même une hypothèse, voilà. La deuxième hypothèse, c'est qu'il existe des systèmes indépendants des uns des autres. Même si tout a été décidé au Big Bang, mettons, mais quand même, si je prends un vieux film de Charlie Chaplin, je le digitalise et je prends ces bits-là du film de Charlie Chaplin digitalisé pour choisir mes questions X et Y, c'est complètement indépendant de l'expérience que je suis en train de faire entre Bellevue et Bernay. Donc, il faut faire l'hypothèse qu'il existe des systèmes indépendants. C'est à peu près je ne vois pas comment on pourrait faire de la science sans cette hypothèse. Voilà, ça, c'est les hypothèses. Donc, à peu près aucune hypothèse, parce qu'elles sont à peu près évidentes, ces hypothèses. Puis ensuite, il faut faire une expérience, comme on l'a faite, je vous ai montré, qui permet de gagner à ce jeu de Bell. Alors, formellement, c'est cette petite équation, peu importe. Il faut gagner au jeu de Bell
plus souvent que 3 fois sur 4. Et ensuite, il y a un théorème. Et donc, cette fois-ci, il s'agit d'un théorème mathématique qui est valable aussi bien en mathématiques classiques qu'en mathématiques intuitionnistes. C'est vraiment un théorème, pas très compliqué d'ailleurs. Donc, ce n'est plus une opinion, ce n'est plus une question de choisir un langage mathématique ou un autre langage mathématique. C'est juste un théorème. C'est vraiment comme ça. Et le théorème, il vous dit, ben, ce qui sort de ces petites boîtes, le A et le B, sont véritablement au hasard. Ils ne peuvent pas avoir été déterminés à l'avance, ni au Big Bang, ni juste une seconde avant l'expérience ou une microseconde avant l'expérience. Ils doivent véritablement être au hasard. Ça ne peut pas être autrement. C'est très fort, n'est-ce pas, comme affirmation. Alors, je ne vais pas vous démontrer le théorème, etc., etc., mais quand même pour peut-être utiliser un argument peut-être pas très scientifique, mais enfin, ça a été publié dans Nature, journal prestigieux, etc. Et puis, bon, c'est quand même bien connu et bien admis des physiciens et des mathématiciens. Et puis, peut-être de nouveau, pour venir à Genève, qui a joué vraiment un grand rôle dans cette histoire, puisqu'en 1964, John Bell, la personne donc, du jeu de Bell, qui est un physicien irlandais au CERN, c'est lui qui a inventé le jeu de Bell, ou les inégalités de Bell. Et puis ensuite, j'ai démontré que pratiquement tous les états quantiques produisent de la non-localité quantique. Donc Bell, il avait fait ça pour un cas vraiment très particulier, un peu exceptionnel. Puis j'ai pu montrer qu'en fait, ce n'est pas du tout quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose de générique, il y en a un peu partout. Et puis ensuite, en 1997, donc avec mon équipe à Genève, on a fait cette démonstration de ces fameux villages de Bernay et Bellevue. Et puis en fait, je ne l'ai pas dit, mais le premier auteur ici de ce papier dans Nature était à Genève quand ils ont publié ce papier. Donc c'est de nouveau, Genève est de nouveau présent dans cette démonstration de l'aléatoire quantique. Voilà, donc ici, la conclusion, c'est que, ben, désolé Einstein, mais la nature, elle est en fait non locale. Elle est vraiment capable de se coordonner à distance. Et ceci sans aucune influence qui se propagerait continuellement de l'un à l'autre, ni de l'un vers l'autre, ni du passé vers les deux. Donc on a quelque chose qui se crée à distance et avec cette forte corrélation. Mais, faut-il ajouter, cela n'implique aucune transmission d'informations d'un côté à l'autre. On a une corrélation, il n'y a aucun doute qu'il y a une corrélation, on les mesure, on les observe. Ces corrélations ne peuvent pas être expliquées classiquement, ou ne peuvent pas être expliquées par de la physique locale, mais cette corrélation, ce n'est pas la même chose qu'une causalité. Il n'y en a pas un qui cause l'autre. Ils émergent tous les deux, c'est un hasard des deux côtés, et ce hasard est corrélé. Et donc, en particulier, il n'y a pas de télépathie. Donc, je ne sais pas comment Einstein aurait réagi à ce moment-là. Il a évidemment compris, comme Newton, que déplacer le rocher sur la Lune, ça ne peut pas avoir un effet immédiat sur Terre. Mais là, il y avait une vraie causalité. On aurait pu envoyer de l'information de la Lune sur la Terre si la théorie de Newton avait été correcte. Ici, on peut pas, il n'y a pas de causalité, donc on ne peut pas envoyer de l'information de Bernay à Bellevue. Par contre, on peut utiliser ces corrélations pour faire de la cryptographie quantique, par exemple. Puis là, je vais juste montrer aussi une autre expérience qu'on a fait à Genève, parce que je la trouve magnifique. Là, on peut aussi utiliser la relativité, de nouveau Einstein. En fait, on va de nouveau avoir nos Alice et Bob à gauche et à droite. Mais cette fois-ci, on va les mettre en mouvement et on va utiliser la relativité. Alors, d'abord, lorsqu'on dit qu'on utilise la relativité, presque tout le monde dit « Ah, mais il faut aller à la vitesse de la lumière » ou en tout cas proche de la vitesse de la lumière. Ben non, là ici on va à 100 mètres secondes. 100 mètres secondes, c'est à peu près la vitesse d'une voiture de course. Prenez une bonne Ferrari et vous arrivez à faire ça. Non, vous n'avez pas une Ferrari pour faire ça, mais il y a d'autres manières de faire ça après. Et puis vous allez mettre que Alice se déplace vers la gauche, elle s'éloigne, et puis Bob vers la droite. De telle sorte, on va aussi avoir une bonne synchronisation. On a donc nos 10 km, Bernay-Bellevue entre les deux. Et on va tout synchroniser de telle sorte que Alice, de son point de vue, dans son référentiel d'inertie, comme diraient les physiciens, elle est la première à faire la mesure. Alors évidemment, comme elle est la première à faire la mesure, elle ne peut pas être influencée par Bob. Au moment où Alice fait la mesure, Bob, il n'a peut-être même pas encore décidé s'il va faire la mesure ou pas.
La situation est symétrique et du point de vue de Bob, dans son référentiel d'inertie à lui, à Bob, on sait qu'en relativité, selon la relativité, la chronologie de deux événements peut changer suivant le référentiel depuis lequel on regarde les événements. Ben, depuis le référentiel de Bob, c'est Bob qui est le premier à faire la mesure. Et donc Bob ne peut pas être influencé par Alice. Et malgré ça, on retrouve une violation des inégalités de Bell ou la possibilité de gagner à ce jeu de Bell. Et donc, on démontre de nouveau que même dans des conditions aussi extrêmes, on a du vrai hasard qui est produit chez Alice et chez Bob. Voilà, ça c'est vraiment pour la belle théorie et les super belles expériences. Puis maintenant, on peut en faire quoi si on est plus ingénieur ou physicien appliqué? En fait, cette boîte qui... Moi, j'étais déjà très impressionné quand les ingénieurs d'idées quantiques ont sorti cette boîte-là. Nous, à l'université, notre générateur aléatoire, il était comme un grand comme un soulier. Là, c'est devenu une boîte d'allumettes. Et ensuite, d'autres ingénieurs ont encore rendu ça plus petit. Maintenant, ça tient sur une petite puce de 2 mm de long. Et en plus, à basse consommation d'énergie. Et donc, on peut la mettre dans un téléphone. Et là, effectivement, Samsung a intégré ça dans leur téléphone. Malheureusement, ces téléphones ne sont pour l'instant commercialisés qu'en Corée du Sud, évidemment. Et puis voilà, je regrette beaucoup que Swisscom et les opérateurs en Suisse et en Europe ne poussent pas davantage Samsung à également pouvoir commercialiser ce genre de téléphone chez nous. Donc l'utilité d'un tel générateur aléatoire, c'est pour, d'une part, vous pouvez créer des mots de passe avec ça, mais c'est surtout, évidemment, si vous voulez communiquer avec votre banque ou avec l'hôpital, voilà, les problèmes de santé, mon dossier médical, etc., celui de mes enfants, de mes petits-enfants, il faut que tout ça reste quand même confidentiel, c'est important. Et là, on peut apporter une qualité des mots de passe ou des codes cryptographiques inégalable. Mais une autre chose que ces téléphones futuristes vont apporter, je crois, et toutes ces technologies quantiques vont apporter, c'est qu'elles vont certainement former nos esprits et ceux de nos enfants et petits-enfants à l'indéterminisme scientifique. Donc je pense qu'il y a une génération là, qui va apprendre, qui va grandir avec l'idée que la science, c'est de l'indéterminisme, il y a du hasard. Et donc, ils vont nous dire, ah ben oui, c'est de l'indéterminisme scientifique, évidemment. Tout comme nous, on a appris à dire, c'est du déterminisme scientifique, évidemment. Et voilà, donc les deux erreurs d'Einstein, donc le déterminisme en physique classique maintenant n'est plus qu'un acte de foi, ça dépend si on veut parler mathématiques classiques ou mathématiques intuitionnistes. Il faut quand même aussi rajouter l'indéterminisme, nous, que ce soit en physique classique ou en physique quantique, c'est pas le chaos, c'est pas du n'importe quoi. Hein, l'indéterminisme, c'est quelque chose qui est régi par des lois très très précises. On peut calculer très précisément, mais on fait des calculs de probabilité. Je vous dis pas exactement ce qui va se passer, exactement comment cette bille tape dans cette bille, mais je vous parle très précisément de quelle est la probabilité que ça se passe comme ci ou que ça se passe comme ça. Et le fait que je vous dise, par exemple pour une pandémie, prenons un exemple au hasard, que ça va évoluer comme ci ou que ça va évoluer comme ça, le fait que je ne vous dise pas exactement comment ça va se passer, mais qu'il y a des probabilités que ça aille comme ci ou comme ça, c'est parfaitement, rigoureusement scientifique. Donc, désolé Albert, le monde n'est pas une gigantesque horloge. Et en plus, donc ça c'était sa première erreur, et la deuxième erreur d'Einstein, certaines corrélations ne s'expliquent pas par des influences se propageant continuellement de proche en proche. Il y a possibilité d'avoir des événements au hasard, à distance, qui sont parfaitement corrélés. Voilà, je ne vais pas vous parler de la troisième erreur, mais puisque ça a été mentionné, lorsque j'ai donné cette leçon d'adieu, il y avait évidemment le recteur, le doyen, enfin, ils m'ont tous fait l'honneur d'être là. Et puis voilà, j'avais un message à faire passer sur un peu les... Enfin, je ne sais pas à quel point ça vous intéresse, enfin, sur les excès du... comment il faut dire
Oh, je crois que j'en parlerai pas du tout. Si je commence là, vous en avez encore pour un quart d'heure. Et puis, ce n'est pas vraiment lié aux deux autres. Donc, il y a peut-être une autre chose encore personnelle quand même, j'ai un plaisir à partager avec vous. Comment je suis tombé là-dedans moi-même? Ben bon, il fut un temps, j'étais jeune et beau. Voilà. Et voilà, je passais des vacances au sud de l'Inde, dans un petit hôtel. Et puis, quand je pars en vacances, que ce soit à l'époque ou aujourd'hui, évidemment, je prends de quoi lire. Et évidemment, c'est des articles scientifiques. Donc, je suis parti avec mes articles scientifiques en Inde. Et puis, un de ces articles, c'est un article de revue sur les inégalités de Bell. Et je suis vraiment très content d'avoir cette photo, parce que c'est vraiment au bord de cet étang, dans cet hôtel, que j'ai découvert ça et que je me suis dit, ça, c'est tellement fascinant que ça sera ma vie. Et effectivement, j'ai eu la chance, à l'Université de Genève, de consacrer en fait ma carrière, et encore aujourd'hui, je suis très actif, à cette magnifique possibilité de décrire du vrai hasard et comment est-ce que ça se fait. Donc voilà, conclusion, je ne répète pas, je ne vais pas relire ça, mais c'est les deux conclusions que je vous ai déjà lues. Dieu joue au dé et la nature est non locale. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et j'attends vos questions. Un très grand merci. Alors, vous avez parlé du temps et de la perception du temps. Moi, je n'ai pas vu le temps passer, donc je regarde maintenant avec surprise. Oui, moi aussi, je suis désolé, j'ai pris plus sommes. Qu'une heure, c'est plus que ce que j'avais prévu. Heureusement que je ne vous ai pas parlé de la troisième erreur. Mais c'est aussi très impressionnant de voir à quel point, dans les sciences aussi, les scientifiques sont orientés par une expérience personnelle qui, à un moment donné, oriente leur choix, et un peu comme dans les sciences humaines aussi, on trouve. Mais nous sommes aussi des humains. Oui, oui, bah tout à fait, voilà. Donc beaucoup, beaucoup de préjugés sont éliminés par nos conférences. Merci beaucoup. Donc maintenant, des questions. Et nous commençons par les questions directement dans la salle. Merci, professeur, pour cet exposé clair, aussi clair que possible pour un novice. Une question simple, si vous aviez une autre vie, à quoi la consacreriez-vous? C'est une autre vie où je garde ma mémoire ou on remet tout à zéro, j'oublie tout? Si on oublie tout, je crois que je refais la même chose. Évidemment, si je garde ma mémoire, j'ai pas envie de refaire la même chose parce que je saurais déjà ce qui arrive. Bon, franchement, je crois qu'en physique, il y a encore un nombre de questions ouvertes absolument incroyables. Donc la physique pourrait très bien m'attirer à nouveau. Il y a d'autres sciences aussi, franchement, la biologie, où il se passe aussi incroyablement beaucoup de choses, et où je pense qu'il y a un énorme potentiel de découverte. Donc je pense que ça serait en science, entre physique et biologie, probablement. Mais voilà, si vous m'effacez la mémoire, je ne sais pas. Merci, professeur, pour votre exposé. Je suis ingénieur. Et donc je ne suis pas physicien, mais voilà, j'essaie de suivre un petit peu votre réflexion. Je dois dire que j'ai peut-être quelques informations de plus sur votre, que j'ai lu quelques chapitres de votre livre, qui me donnent l'opportunité peut-être de faire de proposer cette question. La non-localité, elle n'est pas intuitive, à mon sens, mais je n'arrive pas à comprendre très bien cette intrication, qu'est-ce que c'est. Et je pense que vous mentionnez à un moment donné, et c'est peut-être, vous ne l'avez pas exposé ici, qu'en fait, on pourrait avoir une explication que ce monde, cette nature, elle ne marche pas d'aller. Il y a des espaces ultérieurs qu'on n'arrive pas à voir ou comprendre. Ouais. Comment maintenant la physique, c'est la question, en train de se développer vis-à-vis de ça? Parce que. Voilà, on met des mots aux choses, donc à l'intrication, dans la qualité, mais en réalité, moi personnellement, mais je pense beaucoup, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Quand il y a la même réaction non locale de ces photons, voilà, on se pose la question pourquoi. Et voilà, et ça c'est une des, peut-être qu'il y a des autres que vous pourriez nous expliquer. Merci. Je vais poser les questions de façon un peu compacte, sinon je vais oublier le début de la question quand on arrive à la fin. Donc, vous avez commencé, si je m'en rappelle bien, d'avoir dit
on ne comprend pas ou ne comprenait pas intuitivement cette non-localité. Ça veut dire quoi, comprendre ? C'est vrai que pour un ingénieur, pour beaucoup de physiciens, comprendre, c'est comprendre comment les engrenages se poussent les uns les autres, comment cette bille, elle tape dans celle-là. Donc on a aussi un peu développé en science l'idée que comprendre, c'est comprendre mécaniquement, comprendre la mécanique du phénomène. Et si vous cherchez comment la bille, le photon qui est à Bellevue, influence ou se corrèle avec le photon qui est à Bernay, alors qu'il y a 10 km entre deux, avec rien du tout entre deux, évidemment vous n'allez pas comprendre, parce qu'il n'y a pas un engrenage, il n'y en a pas un qui pousse l'autre, que moi je peux pousser ce meuble, etc. Donc il y a d'autres, il faut sortir de cette idée que tout s'explique par de la mécanique. Et c'est pas un petit électron qui pousse un autre électron, ou qui est poussé ou attiré par un champ électrique ou électromagnétique, etc. C'est autre chose, il y a une autre forme d'explication, et ça c'est toute la difficulté de la mécanique quantique, c'est que là on vous dit, vous pouvez avoir des objets qui se coordonnent même s'il n'y a rien entre deux. Mais attention, cette coordination, ce n'est pas qu'il y a une information qui passe de l'un à l'autre ou qui vient simplement du passé qui les influence les deux. Il y a juste cette capacité de créer du hasard corrélé. Et la capacité de créer du hasard corrélé, c'est ça l'explication. Il ne faut pas aller chercher la petite bille qui pousse une autre petite bille, qui pousse une autre petite bille, ou des engrenages qui mécaniquement se poussent les uns les autres. Ce genre d'explication mécanique, ça ne marche pas. Le jeu de Bell ou les unités de Bell démontrent que l'explication mécanique, elle marche pour un nombre incroyable de choses, mais ça ne marche pas au niveau des photons et des atomes individuels. Ça ne marche pas, il faut d'autres types d'explications, et en particulier cette capacité à produire du hasard, des actes de création. Alors, c'est vrai qu'en science, on n'a vraiment pas l'habitude de dire ça, mais c'est ça, il y a vraiment du hasard qui sort de nulle part, ou bien des fois, c'était un autre point de votre question, j'ai écrit effectivement, ce hasard, c'est comme s'il provenait de l'extérieur de l'espace-temps, dans le sens qu'il n'y a aucune histoire qu'on peut raconter dans l'espace-temps, aucune histoire avec des petites billes qui se poussent les unes les autres et qui produit ce hasard. C'est comme si ça venait de l'extérieur. C'est un vrai hasard qui surgit de nulle part. Et c'est difficile d'appeler ça une explication. Peut-être vous n'appelez pas ça une explication, mais c'est ça quand même la conclusion de la physique quantique. Et je pense que nos enfants, il va falloir qu'ils apprennent que toute explication scientifique n'est pas basée sur cette modèle sur un modèle d'Einstein de petites billes qui se poussent les unes les autres. C'est plus des modèles mécaniques. La mécanique classique au niveau quantique, ça ne marche pas. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question là, plus ou moins. Voilà, très bien. Non, c'est bon, j'ai bien compris, la transmission, enfin l'instantanéité va plus vite que la vitesse de la lumière. Quelle est cette relation entre la vitesse de la lumière qu'on a appris ne pouvait pas être dépassée et cette instantanéité qui est un nouvel hasard? D'accord. Alors, ce qui ne peut pas aller plus vite que la lumière, c'est les objets, tout ce qui possède de l'énergie ou de la masse. Et puis l'information elle-même ne se propage pas comme ça d'elle-même. Une information, elle est forcément codée sur un support physique. Et ce support physique ne peut pas aller plus vite que la lumière. Donc, si je déplace ce rocher sur la Lune et que la théorie me dit que ça a un effet immédiat sur Terre, sans qu'il y ait d'ailleurs quoi que ce soit qui le porte, mais le fait que ce soit immédiat, donc c'est plus vite que la lumière, ça c'est impossible, puisque rien ne va plus vite que la lumière. Et effectivement, la théorie de Newton est une très belle théorie, qui est encore très utile aujourd'hui, mais qui n'est pas exacte, qui n'est pas vraiment vraie. C'est une très bonne approximation, mais elle n'est pas vraiment vraie. Donc là, on sauve tout à fait cette idée que rien n'a plus que la lumière. Maintenant, pour la non-localité quantique, entre Bernay et Bellevue, par exemple, là, vous avez ce hasard qui se coordonne, mais il n'y a pas de causalité, il n'y a pas d'information qui va d'un côté à l'autre, d'Alice à Bob, ni de Bob à Alice. Et donc, puisqu'il n'y a pas d'information qui va ni d'un côté ni de l'autre, ben, il n'y a pas non plus de contradiction avec l'idée que rien ne va plus vite que la lumière.
Donc ça, c'est... Donc Einstein, il n'a pas fait que des fautes, hein, quand même. Donc il a ces deux erreurs-là, mais lorsqu'il disait que rien, en tout cas aucune substance, ni de matière, ni de masse, ne va plus vite que la lumière, ça, ça reste parfaitement d'actualité. Et c'est en contradiction avec absolument rien de ce que j'ai dit aujourd'hui. Bonjour, merci. J'ai une question. Est-ce qu'on peut, c'est aux physiciens que je m'adresse plus que. Est-ce qu'on pourrait imaginer que demain, il y aurait une autre physique qui sera créée ou inventée ou pensée par. Parce que quand on prend quelqu'un du 14e siècle et qu'on lui expose ces choses-là, il va dire c'est impossible. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que dans l'avenir, s'il y a un avenir, je ne sais pas. Est-ce qu'on pourrait avoir d'autres physiques qui pourraient interpréter ces choses qu'aujourd'hui on n'arrive pas à comprendre, ou qu'on essaie de comprendre, mais avec les connaissances qu'on a? Oui, c'est une bonne question. Alors, pour la partie de non-localité quantique, encore une fois, là, les hypothèses qu'on met pour avoir ensuite du hasard quantique, est-ce que c'était ça? Les hypothèses sont là. Il faut que l'espace existe. Alors, est-ce qu'un jour, on aura des théories physiques où il n'y a pas d'espace? Honnêtement, il y a des collègues qui travaillent là-dessus. Mais je ne comprends rien du tout à ce qu'ils font. Ça me paraît une hypothèse tellement basique de dire que l'espace existe. Donc, voilà. Mais enfin, voilà. Si l'espace n'existait pas, évidemment, ça change beaucoup de choses. Je ne comprends pas trop ce que ça voudrait dire. Donc, c'est une hypothèse. Et la deuxième hypothèse, c'est que les systèmes, qu'il existe des systèmes indépendants. S'il n'y a aucun système indépendant, je ne vois pas comment on peut faire de science. On ne peut même pas décider qu'on va faire une expérience ou qu'on la fait maintenant, ou qu'on la fait demain matin, etc. Donc c'est de nouveau une hypothèse qui me paraît tellement évidente que des fois, enfin, on a presque envie de dire que ce n'est pas des hypothèses. Mais enfin là, j'ai voulu être très clair, donc j'ai mis les hypothèses par écrit. Ensuite, le reste, c'est l'expérience. L'expérience de gagner au jeu de Bell. Bon, il faut faire très souvent la A plus B égale X fois Y modulo 2, peu importe l'équation, il faut faire ça. Et ça, c'est une expérience qui a été faite à Genève, qui a été faite ailleurs, qui a été faite avant nous, mais dans un labo, après nous, qui est faite aujourd'hui, vraiment, aujourd'hui, n'importe quel étudiant peut faire ça dans son labo. C'est devenu très simple de faire ces expériences maintenant. Et on gagne au jeu de Bell vraiment régulièrement. Donc ça aussi, ça ne va pas changer. Donc, à mon avis, la conclusion ici en haut, notre univers n'est pas déterministe. Je ne vois pas comment ça pourrait changer dans une physique future. Parce que les conclusions qui sont présentées ici ne dépendent pas d'une théorie. Ils dépendent de ces deux hypothèses, et puis ensuite, il y a le fait expérimental. Il n'y a rien d'autre que ça. Donc, je crois que c'est extrêmement fort. Et je ne pense pas que ça va changer, ça. Bonsoir, merci beaucoup pour cet exposé extrêmement passionnant. Moi, j'ai une question sur la communication entre différentes disciplines, la transdisciplinarité de cet acquis, par exemple, de la physique quantique, donc indéterministe, sur, par exemple, les sciences sociales, parce qu'il me semble que, justement, ces perspectives probabilistiques s'observe au niveau sociologique, il n'y a pas de déterminisme, et même au niveau, par exemple, de la psychologie, ce qui est une bonne chose, me semble-t-il. Mais je voulais savoir s'il y avait justement une forme de communication entre ces différentes disciplines. Ouais. Ben, la réponse, je crois que ma présence ici montre que la réponse est oui. Je parle ici, pas que à des scientifiques, je pense. Donc, oui, bien sûr qu'il y a une communication et que c'est important. Et puis j'ai pris l'exemple là, de Sabine Offenfelder là, qui nous parle que le libre arbitre n'existe pas. Le libre arbitre, ce n'est pas un concept scientifique. Donc je pense qu'effectivement, oui, il y a des physiciens qui peuvent dire des choses pertinentes aussi aux sciences humaines, et réciproquement évidemment. Mais il faut quand même faire attention qu'on pourrait imaginer que tout est déterminé, mais tellement complexe que finalement, en pratique,
On ne peut pas faire des prédictions parfaites. Mais on fait des prédictions qui seraient probabilistes uniquement parce qu'on ne sait pas calculer. On ne sait pas suffisamment bien calculer ou suffisamment bien mesurer. Et peut-être que alors ces personnes-là pourraient vous dire que, voilà, en psychologie par exemple, l'usage des probabilités est purement épistémique. C'est uniquement parce qu'on ne sait pas exactement. Moi, ce que je vous dis, je vais quand même un pas très significatif plus loin, je vous dis, il existe également des probabilités ontologiques. Ce n'est pas une question qu'on ne sait pas exactement. Je ne sais plus exactement où j'ai rangé mon vélo. Donc j'ai utilisé une loi de probabilité pour dire où il est mon vélo. Il est à peu près vers là-bas. Mais ça n'a rien d'ontologique. Mon vélo, il est à un endroit bien précis, même si j'ai oublié où je l'ai mis. Tandis qu'ici, les résultats à Alice et Bob, ils sont ontologiquement non déterminés. Donc il faut utiliser des probabilités, pas parce que j'ai oublié quelque chose. C'est vraiment comme ça. Donc je pense que ça c'est quelque chose que, bon, fort probablement psychologie, moi je crois aussi au libre arbitre humain, et, etc. Donc probablement qu'il y a aussi des probabilités ontologiques en sciences humaines, mais ça je ne peux pas le démontrer de façon aussi catégorique que ce que je peux faire ici. Oui, bonjour, merci pour l'exposé. Et la vulgarisation, enfin, ça nous a permis effectivement de comprendre ce qui est autrement compliqué pour nous. Moi, j'ai une question qui va un peu dans le même sens, mais géographiquement parlant, on voit effectivement que la science classique ainsi que la science moderne, elle est déterminée par la culture, et on voit effectivement comment il y a une interaction entre la science et la société. Mais si on élargit le champ et qu'on on imagine d'autres cultures, d'autres perceptions, d'autres visions du monde, comment est-ce que justement on pourrait, d'autres visions pourraient apporter une meilleure visibilité de questions qui sont posées aujourd'hui. Oui, merci. Honnêtement, là, toute culture qui a une notion d'espace, je ne vois pas très mal comment une culture humaine pourrait s'affranchir du concept d'espace. Il faut aller de A à B, il faut se déplacer d'un village à l'autre, ou n'importe quoi, ou avec une fusée, j'en sais rien. Enfin, c'est très difficile d'imaginer une culture qui n'aurait pas un concept d'espace, ni une culture qui aurait un concept de système indépendant. Dans la vie, il y a plein de choses indépendantes qui nous arrivent. C'est indépendant de notre volonté, il y a la tuile qui tombe au mauvais moment, etc. Il y a plein de choses comme ça. Donc, il faudrait une culture pas juste un petit peu différente de la nôtre. Il faudrait quelque chose qui est, enfin, pour moi, est tout simplement inconcevable. Il faudrait que ces hypothèses ne soient pas vraies. Au moins une des deux ne soit plus vraie dans cette autre culture. Et ça, j'arrive pas à imaginer. Donc, je ne crois pas qu'ici, je sois en train de vous présenter juste le fruit de notre culture et qu'on est biaisé parce que nous sommes, enfin, que je suis un vieil homme blanc. Je crois que ça n'a rien à voir avec ça. Le fait est que, voilà, la nature est capable de produire des événements au hasard. Comment j'ai écrit ça ? Des actes de pure création. Et ça, je crois que ça n'a rien à voir. C'est pas culturel, ça, c'est un vrai fait. Une fois, les deux hypothèses, c'est les numéros 1 et 2 ici. C'est pas culturel, ça, à mon avis. Il y a une question. Oui, je vous remercie beaucoup pour cet exposé et que j'ai essayé de comprendre parce que je suis pas du tout, évidemment, je suis une novice, tout ce qu'il y a de plus novice. J'ai une question en termes d'application de ces théories sur le plan de l'astrophysique en général, sur la création, sur l'univers en général. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples d'une application de la physique quantique dans le domaine, je parle de la formation des étoiles ou de l'évolution de l'univers? Oui, alors bon, il y a la première, que, encore une fois, notre univers n'est pas déterministe. Ça, c'est déjà une application. Maintenant, comment est-ce que cet univers, qui est régi par la relativité générale, en tout cas le physicien, il voit ça comme un objet très complexe décrit par la relativité générale,
Et comment cette théorie de la relativité générale s'imbrique avec la théorie quantique, la physique quantique, ben aujourd'hui on ne sait pas. Ça fait partie des questions ouvertes, on ne sait pas à la fois décrire l'univers comme un objet de la relativité générale et comme un objet quantique. On sait très bien appliquer la physique quantique à des atomes, à des photons, à des petites choses, même des petites choses qui peuvent être très loin les unes des autres. Mais appliquer la physique quantique à l'ensemble de l'univers, on ne sait pas faire. De même, la relativité générale ne dit rien du tout sur un petit atome. Donc là, il y a des... de ce point de vue-là, le physicien, il peut juste vous dire que c'est un bon problème et il faut attendre un prochain Einstein pour donner la réponse. Mais je ne suis pas sûr que c'était vraiment ça, votre question. C'était ça ? Bon, très bien. Alors, une dernière question. Une fois qu'on a intégré le fait que notre univers n'est pas déterministe, comme tu l'as fait, une fois qu'on a intégré le fait que les nombres réels ne sont pas réellement réels. Très bien, bravo. Alors là, ton intuition pour le futur, pour les axes de recherche en physique, elle te dit quoi ? Alors bon, j'ai déjà mentionné là, ce qu'on appelle la théorie de la gravitation quantique. La gravitation, c'est la théorie de la relativité et quantique. Ça, c'est un axe qui est extrêmement actuel, mais qui n'est pas très original. Il y a énormément de gens qui travaillent là-dessus. Ensuite, personnellement, je suis toujours fasciné par cette non-localité et j'essaie de mieux la comprendre dans des situations plus complexes. Là, on a juste Alice et Bob. Donc, c'est bien que le monde, il n'y a pas que deux parties, il n'y a pas que Bellevue et Bernay. Il y a beaucoup de villages, il y a beaucoup de Alice et Bob et Charlie, etc. Et donc là, il y a encore beaucoup à apprendre aussi, je crois, dans cette direction-là. Mais ça, c'est nouveau, c'est ce que je fais. Ensuite, en physique, il y a toujours cette question extraordinaire que la, je sais pas, 90% de la masse de l'univers n'est pas comprise. Donc en fait, on arrive de nouveau d'ailleurs à plutôt la cosmologie, la théorie vraiment de l'univers, on ne comprend pas. Et puis ensuite, je pense quand même dans l'autre direction aussi, là, on parle de biologie quantique. La biologie, ça nous concerne tous, mais à la fin, on est aussi fait de tous ces petits atomes qui constituent ensuite des molécules, des cellules, etc. Et nous, on est des amas de cellules. Et donc, à quel point la physique quantique joue un rôle là-dedans, ou pas ? Ça, je pense que c'est aussi des questions extrêmement difficiles et pertinentes. Et ben, ouais, peut-être. Alors, qu'est-ce que je ferai dans la prochaine vie ? Peut-être, je ferai de la biologie quantique, en fait, je n'en sais rien. Mais ouais, je crois qu'il y a encore des questions comme ça qui sont vraiment très importantes. Et puis probablement aussi, là ça je rejoins un peu la philosophie, comment bien parler du vrai hasard ? J'ai essayé de le faire, plus ou moins de succès. Mais c'est pas facile, c'est complètement nouveau. Et on nous parle sans arrêt de ce déterminisme scientifique. Il faut parler d'indéterminisme scientifique, et il faut faire ça de façon rigoureuse, mais aussi de façon qu'on peut communiquer, où on développe cette intuition qu'on a tous maintenant. La gravitation universelle, on a tous développé notre intuition. Ouais, la Lune, elle tourne parce qu'elle est attirée par la Terre, mais en même temps, elle avance, et donc finalement, elle tourne autour de la Terre. Bon, on aimerait avoir une compréhension de la physique quantique du même niveau, avec ce même degré d'intuition. Je pense que ça, c'est très important aussi. Etc. Merci beaucoup. Et on rejoint d'ailleurs aussi des questions théologiques fondamentales, puisque lire les textes bibliques, c'est aussi la question. Ils ont pu être lus dans une perspective d'un univers entièrement déterminé d'avance, hein, Dieu le grand horloger qui a tout organisé, alors que la lecture plus orientée actuelle va bien dans le sens de la nouveauté toujours possible et de la nouvelle création. Donc c'est très intéressant aussi comme question théologique. C'est peut-être aussi à poursuivre dans une autre conférence, donc dans notre programme.
Donc un immense merci à vous, professeur Giza. Je dois encore faire une chose. On m'avait dit qu'il fallait que je finisse nous avec... Nous avons encore un petit... Ça. Voilà. Alors, merci. C'est très bien. Donc le travail est fait. La prochaine conférence sera le professeur Trinh Xuan Tuan, que vous connaissez déjà, qui parlera de la formation des galaxies. D'abord le mardi 26 avril, ensuite il y a la question des étoiles, naissance, vie et mort, le 10 mai et le 31 mai. Voilà le programme, et donc nous poursuivons avec joie avec vous, et puis nous vous prions d'excuser le bug informatique qui n'a pas permis qu'il y ait des questions venues de loin, donc ça n'a pas marché là, le transport jusqu'ici. Mais ce sera peut-être pour une prochaine fois, nous espérons résoudre ce problème. Et nous vous souhaitons bonne soirée et bonne continuation. À très bientôt. Merci encore.